Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Pasquale, on est parti pour un vidéo test de Fire Emblem Path of Radiance sur GameCube. Un jeu fait en 2005 par Nintendo et Intelligent System. Yeah. Enfin Nintendo tout simplement. C'est l'une des rares licences de Nintendo qui est très peu connue. Car en fait, elle est extrêmement connue au Japon, mais elle est très peu connue ici en France. Parce que c'est seulement le deuxième épisode qui est sorti chez nous. Le premier c'est sur Game Boy Advance. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont acheté la version Game Boy Advance, je pense. Cette version GameCube est quand même plus connue. Et voilà, c'est une série culte. Hein. Je sais pas pourquoi les premiers épisodes ne sont pas sortis en Europe. Surtout parce qu'ils nous prenaient pour des gens bons et qu'on savait pas jouer au RPG. Voilà. C'est surtout ça, je pense, hein, les Japonais. Vous savez. Pourtant, c'est Nintendo, là. Je sais pas. Nintendo, c'est pas comme Bandai qui pouvait se foutre de notre gueule. Avec les Dragon Ball Z à 2 balles au début. Mais bref, parenthèse fermée. Donc, Fire Emblem, c'est une licence qui est très vieille. Hein. Qui a commencé depuis en 1985 je crois ou 6 sur NES. Donc voilà, c'est il y en a eu aussi sur Super NES, Fire Emblem, et puis après c'est allé direct sur Game Boy Advance. Voilà. Attends, sur Game Boy Color je sais pas, par contre je suis pas sûr, mais il y en a pas eu sur Nintendo 64. Donc c'est le premier Fire Emblem en 3D, celui-là c'est le premier Fire Emblem en 3D, et comme vous pouvez voir la cinématique du début est souvent fait en artworks. Et juste des images, mais qui sont très bien faites, et ça fait vraiment penser à du médiéval fantastique avec des dragons, tout ça. Et puis en plus, ça fait très manga, voilà. Très japonais, quoi. Très japonisant, Japanese style. Et donc, comme vous pouvez voir, nous avons plusieurs modes. Le mode extra, c'est un truc qu'on déverrouille quand on finit le jeu. Ce jeu, je l'ai tellement fait, c'est l'un de mes jeux préférés sur GameCube. C'est le 6ème pour moi. Dans le top 10 des jeux de GameCube, c'est le 6ème. Un jeu excellentissime, voilà. Cultissime. Le 2ème sur Wii est encore mieux. Déjà que celui-là, c'est vraiment très très bon. Même sur. J'en ai fait un sur DS, à Fire Emblem. Il est moins bien, mais bon. Il reste quand même énorme et c'est. C'est l'un des premiers, je pense, Fire Emblem, qui en fait c'est une espèce de remake qui a été repris sur NES. Donc c'est une espèce de remake qu'ils ont fait sur DS. Donc pour ceux qui s'intéressent, qui n'ont pas fait les Fire Emblem, qui n'ont pas connu les Fire Emblem, purée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, fichtre? je vais recharger. Pourquoi je suis allé dans l'épilogue? C'est complètement freestyle cette vidéo déjà. Voilà, mais parce que l'épilogue c'est la fin quand même. Hein. Donc je vais pas trop spoiler. Ça sera peut-être bien. Donc parlons de l'histoire. En gros, c'est des mercenaires, souvent qui sont payés par des villageois. Pour sauver contre les griffes de Dain. Dain, une ville qui est en guerre contre Crimea. Il y a aussi une autre contrée que je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est super. Baignon, je crois. Je suis pas sûr. Baignon, ouais, je crois que c'est ça. Et Baignon, elle est un peu. C'est un peu à l'écart, on va dire. Mais ils sont un peu contre Crimea aussi, je crois. Ils sont un peu alliés avec Dain. Et tout simplement, c'est des simples mercenaires. Les mercenaires de Grey. Grey qui était à l'époque chez Dain. Oui, c'est tiré par les cheveux un peu. Mais qui est devenu après un fier habitant de Crimea. Je sais pas trop comment, on nous explique pas trop ça. Même si on peut. Je crois pas qu'on l'a dans ça. Enfin, là je vais retourner dans la base. Je crois pas qu'on a dans. Non, on a rien là, on n'a pas le.
le résumé de tous les personnages et de l'histoire et tout. Dans ce qui est bien dans Fire Emblem Radiance Dawn sur Wii, c'est qu'on a on a vraiment toutes les informations qu'on peut avoir dans Fire Emblem, quoi. Enfin, dans l'histoire. Et c'est vraiment intéressant. J'avais presque tout lu. Sachant aussi que Fire Emblem, il y a beaucoup de dialogues, énormément. Donc si vous n'aimez pas lire, je pense que vous allez la plupart du temps passer les dialogues. Les dialogues qui sont plutôt pas mal. Même si c'est pas trop rythmé, bien sûr, c'est juste des bulles de dialogue, hein, avec juste l'image du personnage. Donc c'est très très simple, hein. Par exemple, là je fais, équipement. Je vais faire emplette, armurerie, voilà, c'est juste des bulles comme ça. Enfin bon, là c'est un peu grosso modo, mais voilà. Et là je montre tout simplement, il y a beaucoup de choses à montrer dans Fire Emblem, parce que c'est très compliqué, c'est un RPG, c'est un RPG stratégique, c'est-à-dire que c'est pas complètement un tour par tour, c'est un jeu de stratégie, de gestion, mais en même temps c'est du tour par tour. Vous allez voir, de toute façon, quand on sera sur le champ de bataille. Et donc, ce qui est très important avant d'être sur le champ de bataille, avant de combattre l'ennemi, c'est aussi, surtout, de faire gaffe à son équipement. Et par exemple, là, vous pouvez voir sur mes armes qu'il y a 10 sur 40, 29 sur 35, etc. En fait, c'est le nombre de coups qui me reste avant que l'arme pète. Sinon, après, si l'arme est pétée, je ne peux plus attaquer, et si jamais j'ai plus d'armes, je peux plus rien faire, quoi. Si, dans Fire Emblem Radiance Dawn, on peut donner un coup de poing. C'est incroyable. Enfin, je crois, attends. Ah non, c'est que les laguses. Hey, les laguses, c'est aussi une très grande nouveauté dans ce Fire Emblem. Le premier Fire Emblem a instauré ça. C'est un peu la même chose que pour les... comment ça s'appelle, ceux qui se transforment en dragon, hein. Une espèce de dragon, là, ils utilisent des sphères magiques. Ah, je sais plus. Mais bon, c'est pas grave. Les laguses, en fait, c'est des espèces de créatures. Eux, ils ont même pas besoin d'armes. En fait, ils utilisent leurs propres griffes. Le problème avec les laguses, c'est qu'ils peuvent pas se transformer quand ils veulent. Ils ont une espèce de barre de mana. Elle s'augmente au fil du temps. Et quand elle est au maximum, on peut se transformer. Sachant que on peut rester, je crois, que 3 tours en mode transformé. Mais les laguses, par exemple, quand on regarde leurs caractéristiques, faut pas s'y attendre à ça. Quand ils se transforment, leurs caractéristiques sont pas non plus doublées, mais ils sont un peu mieux. Ah. Par exemple, je sais pas, ils doivent avoir 15 en vitesse, je crois. En transformé. L'état qui est un laguse félin, donc c'est un chat. Le peuple félin, il y a le peuple aussi, les dragons, et le peuple des oiseaux. Le peuple des aigles et le peuple des corbeaux. On voit 4 peuples différents dans ce Fire Emblem, ce qui est assez pas mal. Ce qui est pas mal, et sinon il y a après, tout ce qui est assez classique, on va dire, les... Par exemple, Ike est un rôdeur, il aime bien rôder dans le coin. Au bout de niveau 20, après il évolue. Enfin, Ike, c'est assez compliqué en fait à expliquer comment il évolue, parce que lui, c'est au bout du chapitre 20, je crois, que il peut devenir après un seigneur. Et en fait, c'est des classes, voilà, on évolue en classe au bout du niveau 21, voilà. Le compteur se remet à zéro au niveau 1, quoi. Et il devient bien plus puissant, et il peut apprendre des nouvelles aptitudes, ouais. Quelques nouvelles les techniques, quoi. Quelques nouvelles techniques, là. Par exemple, là j'ai 0 technique avec Ike, voilà. Alors que de base, je crois, il va apprendre une nouvelle technique en évoluant. Enfin non, c'est en utilisant un objet spécifique occulte, ça s'appelle un occulte, qui permet d'avoir une technique en plus, une technique spécifique à cette unité, parce qu'il y a beaucoup d'unités différentes. Il y a aussi les mages,
les matchs de vent, de foudre, de feu et de lumière. Et de ténèbres, non, ça c'est sur Wii, mais il n'y a que de lumière. Et c'est sur GameCube, il n'y a que de lumière. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, les mages devant, ils peuvent quand même utiliser le feu et la foudre, mais sous une moins bonne qualité, on va dire. C'est par exemple là, on regarde le niveau d'armes, très important ça, c'est le niveau de maîtrise de l'arme. Donc, plus le personnage maîtrise l'arme, plus sa précision est mieux, parce qu'en fait la maîtrise d'arme s'additionne avec la technique, parce que la technique c'est la précision aussi. Et donc après on peut voir exactement la précision qu'on a, 124, voilà, 124 de précision. Sachant que si l'ennemi par exemple a esquive 38, et ben ça, on fait 124 moins 38 et voilà, on a la précision exacte, le pourcentage de chance qu'on va avoir pour toucher l'ennemi. Bon, comme ça, c'est assez compliqué. Ça, il y a beaucoup de mathématiques hein, dans Fire Emblem, des calculs mentaux. Voilà, va vite. Comme vous pouvez voir, les magiciens sont très très nuls en force. Voilà, mais en même temps, ça leur sert à rien. Ils font pas d'attaque au cac. Et la magie, bah, c'est juste la puissance magique qui permet bah, d'avoir. C'est comme la force, mais au niveau de la magie, technique de précision. Résistance, c'est juste la résistance, c'est la défense au niveau de la magie. Bien sûr, les mages sont très bons à ça. La défense tout court, bah, c'est la défense des attaques au cac, des attaques avec des armes. Une défense toute simple, quoi, et les mages sont très faibles à ça. La chance de l'unité, c'est, bah, elle affecte plusieurs paramètres, voilà. Ça change quelques petits trucs, ça augmente peut-être un peu la précision. Un peu l'esquive, non, je crois que ça augmente que l'esquive surtout. Peut-être un peu la précision, je sais plus, mais voilà. Surtout l'esquive, ça compte sur l'esquive, la chance. La vitesse, ça compte aussi sur l'esquive, mais aussi pour pouvoir attaquer le plus possible en un tour. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça, on va faire fin. Là, je vais faire, franchement, là, je vais faire grosso modo, je vais attaquer vite fait. Je vais pas vous montrer, je vais vous montrer en gros, grosso modo, pas comment jouer, mais parce que je vais jouer comme un noob. Je vais faire n'importe quoi, là. Surtout pour vous montrer bah, comment ça marche. Déjà, il y a certaines armes que les personnages peuvent, qui sont assez spécifiques. C'est par exemple le javelot. C'est une arme qui nous permet de lancer de loin, bah, une lance, voilà. C'est un javelot, quoi, tout simplement. Lancer de javelot, voilà. Et par contre, à côté de ça, bien sûr, on a une précision de merde avec le javelot, vu qu'on est de loin. Mais même de près, c'est la même précision, c'est de la merde. On est qu'à 74%, c'est rien du tout. On risque vraiment de le louper. 94%, on est presque sûr de l'avoir. Hein. C'est presque jamais arrivé qu'il esquive. Et puis lance-acier, voilà, c'est. Surtout que faut savoir que. Les niveaux d'armes, là il y a marqué pour lance-acier, il faut être lance-dé minimum. C'est pas maximum, c'est minimum. Parce que là je suis lance-B, mais même avec B, il a du mal à utiliser la lance-acier. S'il est niveau A, c'est parfait. Niveau S, c'est encore mieux. Niveau S+, là c'est King of the World. Et voilà, avant ça quoi. Quand il est en cavalier, en première classe. Notre cher Oscar, et bah, il peut aller jusqu'au niveau A, je crois. Ou des fois, c'est niveau S. Non, je crois que c'est que niveau A. Il y en a certains, ils vont jusqu'à niveau S maximum. D'autres, c'est S+. C'est encore mieux. Ce qui permet, en fait, de pouvoir... Non seulement d'avoir une meilleure précision, parce que là, on voit que quand je mets lance-acier, j'ai 84, alors que lance-fer, j'ai 94. Ça permet non seulement d'avoir une meilleure précision... quand on a une meilleure note, mais en plus de pouvoir attaquer deux fois, au lieu de seulement une, parce que là j'attaque deux fois avec lance-fer, parce que lance-fer est une arme beaucoup moins lourde pour le personnage, donc il a une meilleure vitesse, et donc voilà, il peut attaquer deux fois. Vu que j'ai une vitesse bien plus haute, je suis à vitesse 13, alors que lui il n'a qu'à vitesse 9, et ben j'ai plus de chances d'avoir
Le multiplicateur. Le multiplicateur, voilà. Le x2. Voilà, je vais l'attaquer, enfin quoique. J'ai mis en mode carte, parce qu'on peut vraiment... On peut mettre les grilles, par exemple. Voilà, on voit vraiment les grilles. Bon, ça rend moche. Voilà, c'est les grilles de déplacement. Hein. Parce que sachant que chaque personnage, vu que c'est un cavalier, là, il va quand même très très loin, donc il fait 8. 8 cases, ce qui est quand même beaucoup, voilà, ça fait tout ça. Aussi, on peut enlever, si on veut, avec le bouton R, l'interface. Ça sert pas à grand chose. On peut, bah, avec L, dézoomer. Et avec C, un peu tourner la caméra, comme ça, mettre en haut, mettre en bas. Moi, perso, je mets toujours en bas, je préfère cet effet 3D, je sais pas, je préfère. Il y a le guide aussi, si on est paumé, parce que ce jeu est quand même très... très compliqué à la base. Hein. Faut quand même s'entraîner au début. Pas mal d'heures d'entraînement. C'est pas si facile que ça. Et même au bout de jusqu'au chapitre 10, comme là, on est au chapitre 10, voilà. Bah c'est. On est encore pas complètement en forme, quoi. Bon, bien sûr, moi maintenant, j'y ai tellement joué à ce jeu-là, je l'ai refait 7 fois, tu sais, un truc comme ça. Que voilà, quoi. Je me débrouille bien. On peut mettre les animations ou les enlever. Bon, moi j'avais mis non parce que je voulais aller assez vite, je me souviens, mais on met oui. D'habitude, la plupart des pros qui jouent à Fire Emblem, ils mettent animation non. Au pire, on voit que les animations, mais sur la carte, ce qui est très moyen. Parce que d'ailleurs, regardez, graphiquement, c'est pas... Pour de la GameCube, c'est très faible. Mais ce qui est normal, puisque là, c'est juste la carte... Donc bon, on peut pardonner. Par exemple, lui, là, à côté d'Anomil, lui, il est, c'est un général. D'ailleurs, il a Magister qui permet, à partir du niveau 10, de changer de classe directement. Donc ça, c'est assez énorme. Le problème, c'est que moi, j'utilise pas souvent le Magister. J'utilise que quand je suis au niveau 20, la flemme d'évoluer d'un niveau de plus pour évoluer de classe. Parce que, en fait, genre, si on a un personnage niveau 10 et qu'on l'évolue direct avec le magister, et ben il gagne, comment dire, ses caractéristiques augmentent, mais vraiment pas beaucoup, quoi. De seulement de, comme s'il avait évolué de 2 ou 3 niveaux. Donc en fait, il a loupé grosso modo 8 ou 7 niveaux de caractéristiques quand même. Ce qui fait quand même beaucoup, donc j'utilise franchement pas souvent pour. Ou alors, quand je l'utilise, c'est vraiment vite fait quand c'est une unité que j'aime pas trop, quoi. Surtout ça. Voilà, sinon... Je sais pas si j'ai dit pour les archers, ils sont très très doués en technique, mais ils sont très faibles. Bon, là, il est qu'au niveau 1, donc on peut pas trop savoir. Mais ils sont très faibles en défense, ils sont moyens. Mais très faibles en résistance de magique, d'habitude, et puis en force, c'est moyen aussi. Et voilà, et on peut voir que si on additionne la force avec la puissance de l'arc, et ben on trouve le résultat qui est en bas. 13, voilà. Et donc voilà, il y a tout. Là, c'est toutes les compétences bien plus précises, quoi, parce que là, c'est les caractéristiques vite fait du personnage. Et après, ça donne lieu à ça, voilà. Si on l'équipe avec cette arme-là, voilà, c'est une attaque 13, voilà. Ce qui est très moyen. Sachant que il y a quand même lui la défense 10. Je pense que normalement il lui fait que 3 de dégâts. Voilà, il fait 13 moins 10, voilà, 3 de dégâts. Donc tout est question quand même de mathématiques, attention, d'algèbre, de soustraction, de multiplication, d'addition, c'est très compliqué, hein. C'est très technique. Donc oui, c'est magnifique, nous sommes déjà à 20 minutes, nous n'avons pas du tout avancé. Et voilà, Non, mais c'est un jeu très difficile à faire en vidéo test, clairement. C'est pour ça que j'ai pas fait direct. C'est chaud à faire en vidéo test, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, bon, par contre, les graphismes comme ça, je trouve, sont vraiment pas mal. Ils sont assez bien faits pour la GameCube, ça va. 2005, bon, c'est quand même la fin de la GameCube, on va dire, on peut faire mieux.
peut faire bien mieux. Sachant qu'en 2005, je crois qu'il y avait, bah, il y avait Resident Evil 4. Donc voilà. Aucune excuse. Alors. Aussi, les magiciens sont très puissants contre les chevaliers. Parce que les chevaliers sont très forts en défense, mais par contre, ils sont très nuls. Ils sont nuls en résistance magique. Il faut en profiter, surtout qu'en plus de ça, même si les magiciens ont une mauvaise vitesse, et bien vu que les chevaliers ils ont une vitesse inexistante, bah c'est, ils font la plupart du temps à chaque fois une attaque double. Vous allez voir des effets vraiment pas mal. Voilà, des effets assez impressionnants de l'éclair. Ah, là il a fait un... Là faut savoir, elle a fait un coup critique. Donc ça veut dire que l'attaque est multipliée par 3, la puissance de l'attaque. Bon, ça sert un peu à rien puisqu'il lui restait que 11 PV. Et là, bien sûr, j'ai gagné un peu d'expérience pour le prochain niveau. À chaque fois, faut être à 100 expérience. Voilà. Le voleur qui est très important. Il peut ouvrir les portes sans avoir besoin de clé, comme là. Parce que sinon, on est obligé de le détruire la porte. Et elle a un... la porte est... a un peu de PV. On peut voir là, la résistance 60. Voilà. 60 PV, c'est beaucoup quand même. C'est l'équivalent du chevalier noir quand même. Chevalier noir qui est très puissant. C'est le grand. Je crois que de base c'est l'élève de Grey. Mais il a battu Grey. Il l'a tué. Le père de Ike. Donc c'est pour ça que Ike est le successeur de Grey pour les mercenaires de Grey. Voilà. Bon, il s'appelle toujours les mercenaires de Grey. Hein, vu que en l'honneur de Grey, voilà. Et voilà, Grey. Bon, je vais vous montrer de toute façon quelques cinématiques hein, pour vous donner un peu une idée de l'histoire. Un petit coup critique. Ça, c'était assez efficace. Là, j'ai vraiment de la chance. Hein, c'est... La chance est très importante aussi dans ce jeu. Très important. Parce que des fois, on peut avoir pas de bol et ça, c'est vraiment pas de chance. Enfin, c'est très important d'avoir une. Attends. Attendez, je crois. Normalement il a 10 de... Non attends, il a 7 de défense. Donc oui c'est bien 6. 6 d'attaque. C'est bien ça, c'est... Tout est question de calcul un peu, c'est... Surtout aussi il faut faire gaffe au mouvement des personnages, mais de l'IA. Et savoir à l'avance d'anticiper ses mouvements, voilà. C'est-à-dire... D'après vous... l'IA, quel personnage va-t-il attaquer en premier là? Bien sûr, c'est l'archer, parce que l'archer ne peut pas attaquer au cac. Sinon, ça sera les mages, et pas l'épéiste, parce que l'épéiste se débrouille plutôt bien au cac et il esquive très bien. L'épéiste est le meilleur niveau de l'esquive, il évolue en brouteur après, et là c'est le maître de l'esquive. Déjà, il a 43 d'esquive. Hein. Donc voilà, c'est déjà pas rien. Alors que par exemple, voilà, un magicien c'est 23. Voilà. À peu près. Et le rôdeur, 38. Donc, rôdeur il se situe entre les deux. Quoi. Enfin, il est plus style épéiste. De toute façon, le seul rôdeur du jeu c'est Ike. Et plus tard, bien sûr, il évolue en seigneur. Et là, c'est. Voilà, c'est Dieu quoi. Il est super fort, il est complètement cheaté. De toute façon, je vais vous le montrer après. Bien sûr, cette sauvegarde date d'il n'y a pas très longtemps, donc je suis pas non plus rendu méga loin. Enfin, j'ai fini le jeu qu'une fois sur cette sauvegarde. Voilà, mort de Sei est un laguse. Et on peut aussi, même si on n'est pas obligé d'attendre que la barre mana à 4, niveau 4, évolue, sachant que ça va jusqu'à niveau 20. Enfin, niveau. Sachant que ça va jusqu'au chiffre 20. On n'est pas obligé d'attendre, on peut faire direct utiliser l'objet Pierre Laguse. Le problème c'est qu'on peut l'utiliser que deux fois, mais bon, on va l'utiliser vite fait. Sachant que c'est des objets assez rares. Sinon, il y a aussi les prêtres qui permettent de soigner ses alliés. On peut soigner ses alliés, par contre, à côté de ça, il attaque pas, donc c'est une merde. Faut surtout pas. Surtout qu'il est très mauvais en vitesse, très mauvais en défense. Il est très mauvais en tout sauf en magie et en résistance. Donc voilà. Je pense que cette vidéo ne sera pas très intéressante pour la plupart des joueurs, je suis désolé.
pour la plupart des gens qui, je sais pas, qui ne connaissent pas cette série, Fire Emblem, série culte. Voilà, c'est l'autre phase. Sachant qu'il y a quatre phases différentes. Il y a l'autre phase là, qui sert un peu à rien. Il y a la phase des alliés, les jaunes, l'équipe jaune, qui sont avec nous tout simplement, c'est des alliés. Et la phase rouge des ennemis et puis nous. Voilà, en bleu. Phase joueur. Et voilà, je vais vous montrer vite fait un combat de tigre. Un combat titanesque, un tigre contre un soldat quand même, c'est pas rien. Regardez-moi ça, cette technique. Il esquive en plus. Les animations sont vraiment pas mal aussi. Même si elles sont assez répétitives, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas beaucoup d'attaques différentes. Hein. Souvent les mêmes. Mais ils ont fait des progrès sur la version Wii. C'est bien mieux animé. Mais là, ça fait un peu trop quand même. On dirait qu'ils ont un peu trop quand même un balai dans le cul. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Et puis la modélisation des personnages est convaincante. On va prendre le voleur qui peut ouvrir la porte. Et comme ça, après, on peut parler à ce personnage-là qui est extrêmement puissant, comme vous pouvez le voir. On se demande pourquoi. On ne sait pas qui c'est pour l'instant, Sephiroth. Ce qui est assez impressionnant, c'est que... Bon, je vous ai pas dit, tous les Fire Emblem, à chaque fois, c'est des héros différents et une histoire différente. Moi, j'ai surtout connu Fire Emblem, voilà, les Fire Emblem où il y a Ike, le héros. Et sur GameCube, et oui, c'est la même histoire. C'est juste la suite, la version Wii. C'est 2 ou 3 ans après. Et Sephiroth, on le rencontre dans la version Wii, voilà, plus tard, et il est bien plus important. Voilà. Mais je vous dis pas, c'est un spoil. Que là, bah, on le voit, mais on sait pas du tout qui c'est. Hein. C'est ça qui est assez intéressant, il y a pas mal de persos, on sait pas du tout qui ils sont dans cette version GameCube. On le saura dans la version Wii, quoi. Surtout ça. Donc je pense que les développeurs, ils avaient quand même pas mal prévu leur coup. Ils avaient fait... Bah, ils savaient qu'ils allaient faire une suite, quoi. Moi, je fais n'importe quoi. Hein. Bon, on va quitter. Je vais plus vous montrer... Bon, on va faire suspendre, parce qu'on peut faire que comme ça pour quitter. Suspendre, c'est sauvegarder, mais en quittant en même temps. On peut pas sauvegarder tout court, hein. C'est un peu dommage. On peut le faire à partir de la version Wii. Le jeu, on met à peu près 30 heures pour le finir. En mode facile. Sachant que le mode normal, les difficultés sont extrêmement importantes. Parce qu'il faut savoir que... Il peut y avoir des débouchés d'ennemis dans le mode normal, des fois. Alors qu'en mode facile, il n'y en a jamais. Des ennemis, des renforts ennemis. Qui peuvent arriver de tous les côtés. Si, il y en a peut-être quelques fois en facile, mais c'est très rare. En normal, il y en a, en difficile, il y en a presque... Ouais, c'est souvent, quoi. Et c'est vraiment ça qui change le gameplay. Avec aussi, bien sûr, les ennemis qui sont bien plus coriaces. Ils sont, par exemple, ils sont au niveau 3, mais à côté de ça, t'as l'impression qu'ils sont au niveau 13, quoi. Parce qu'ils ont des caractéristiques de grands psychopathes. Et c'est ça, en fait, qui fait la force des difficultés, c'est que, franchement... Vu que les ennemis sont plus puissants que nous en difficile, la plupart du temps, il faut souvent travailler en équipe et utiliser plusieurs de nos coéquipiers, quoi, pour réussir à vaincre un seul ennemi, quoi. C'est souvent super hard, même si le niveau de difficulté dans ce Fire Emblem, Radiance Dawn est bien plus dur sur Wii que ce Fire Emblem Path of Radiance sur GameCube. Je vous ai pas expliqué aussi la gestion, c'est juste pour augmenter l'expérience. Bon, là je peux pas parce que ça me met cette unité à atteindre niveau maximum. Voilà, celui-là je sais pas ce que c'est. Les bonus de points d'expérience n'est pas suffisant. Bon, d'accord, on peut pas distribuer, mais c'est des bonus d'expérience qu'on gagne à chaque fois en finissant une mission. Ils nous donnent des bonus d'expérience pour pouvoir. Ça peut aller assez loin, où on peut carrément évoluer 10 niveaux d'un coup. Hein. C'est assez intéressant. Si on veut évoluer des personnages, sachant que c'est pas terrible de faire ça des fois. Faut pas faire que ça.
faut les faire combattre aussi sur le terrain, parce que sinon ils peuvent pas évoluer, voilà, leur niveau d'arme. Le niveau d'arme, il s'évolue que quand ils touchent l'ennemi. Quand ils combattent, quoi. Ils évoluent pas quand on évolue juste le niveau comme ça, donc faut vraiment faire gaffe là-dessus. Il y a aussi des armes spécialisées sur le point faible de l'ennemi, l'épée Lagus par exemple contre les Lagus, qui inflige beaucoup de dommages aux Lagus. Il y a aussi le vent, par exemple, les attaques de vent font très mal aux Lagus corbeaux. Les Lagus, hein, ils ont beaucoup de points faibles, hélas. Mais ils sont très puissants. Enfin, les corbeaux, ils sont très rapides. Et par contre, ils ont une attaque de merde. Bon, là, c'est les techniques, c'est quelques... Par exemple, occulte. Occulte, ça permet de... Je sais pas si j'ai déjà dit, si je pense, mais... Ça permet de déverrouiller la technique... secrète de du soldat en question, de l'unité en question. Là, c'est un bretteur, donc il va apprendre stellaire obligatoirement. Mais bien sûr, il faut laisser de la place et j'ai pas assez de place. Donc tant pis. Par exemple pour l'évêque, c'est Rayon, parce qu'en fait lui au début il était en mode vous savez, c'était une unité de qui pouvait juste soigner. Un prêtre, alors qu'après, quand il devient un évêque, en fait, il peut attaquer avec la lumière, il peut faire des attaques de lumière, donc c'est un espèce de mage. On va dire très peu puissant quand même, hein, qui reste très faible, mais il peut quand même se défendre. Et quand il est contre un mage, contre un chevalier, ça peut faire mal, vu que les chevaliers sont très faibles en résistance. Bien sûr, les chevaliers évoluent en général. Moi, la plupart du temps, moi, je préfère évoluer des bretteurs. J'adore les bretteurs, ils ont une très bonne esquive, même s'ils ont une très mauvaise défense. Ils sont... ils ont le style, tout simplement. Moi, j'aime bien évoluer les bretteurs et les épéistes, voilà. Je sais pas. Ils ont du charisme. Dans leur style de combat. Voilà, là c'est un niveau, on va dire, assez intéressant. Néphéline, elle, c'est Hallebardier. En fait, avant c'était un soldat qui évolue en Hallebardier et qui un soldat un peu plus puissant, quoi. Mais ça change pas trop, je crois, avec eux. Que les bretteurs, par exemple, ça change vraiment. C'est épéistes, déjà, ils sont quand même bons en vitesse et en technique. Mais les bretteurs, ils sont très très bons en vitesse et en technique. Et vraiment très très bons. Et ils évoluent pas mal en défense, parce que ils évoluent très peu, les épéistes, en défense, alors que les bretteurs, ils rattrapent le chemin. Après. Mais bon, ça reste quand même faiblard en défense. Donc alors... les cavaliers, par contre, sont à peu près bons partout. Enfin, moyens partout. Donc c'est des types complets, même si bien sûr lui par exemple il est très faible en résistance, donc voilà, il y a quelques personnages qui sont assez différents, voilà. Bon, la plupart du temps c'est ça, c'est les cavaliers, ils sont moyens partout, ils sont en type complet. Donc, je vais prendre Mia, Miaou, pour la mettre plus loin. Par exemple là c'est juste décimé. Sachant que il y a des ennemis qui peuvent débouler en bas. Donc il faut que j'anticipe et que je prenne quand même des bons soldats là. Donc je vais peut-être prendre Brom qui va se mettre là. Kieran, on va le laisser ici. Parce que lui il est un peu pourri contre les épices. Parce que oui, je vous ai pas parlé aussi de ça. Il y a beaucoup de choses à dire, franchement. Je vais peut-être même pas tout dire. La masse, ça sert un peu à rien. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Si c'est pour. Transporter, sauver par exemple. Voilà, si je peux sauver Ike, quoi, par exemple. Avec Ziarg. Et donc, quand je sauve Ike, et ben, en fait, tout simplement, je fusionne avec lui. Et en gros, Ike, il est plus sur la carte, quoi. Il est fusionné avec Ziarg. Mais le problème, c'est que ça baisse beaucoup la vitesse et la force, je crois. Un truc comme ça, ouais. Et la technique. Non, c'est que la vitesse et la technique. Je pense que j'ai ça. Et ça divise carrément par deux la vitesse et la technique, donc on devient bien plus nul.
Donc, faut pas faire ça à chaque fois, faut faire ça que quand. Par exemple, je sais pas si Ike il a 3 PV, il lui reste plus que 3 PV, vaut mieux le sauver, surtout que Ike il a pas le droit. Il a pas le droit de mourir quoi, puisque c'est le héros, et donc il y a des fois quelques unités qui. Dans certaines missions, ils ont pas le droit de mourir quoi. Les généraux sont très puissants, ou les chevaliers si vous préférez, sont très puissants face aux épéistes. Car les épéistes ont une attaque déjà pas terrible, alors que eux ils ont une défense de fou furieux. Et la lance est plus forte que l'épée. Voilà. Alors, la lance c'est. C'est. Comment dire? Si bah la lance est plus forte que l'épée, voilà. Je voulais trouver le mot, mais. Ah, ça c'est le combat sur la carte, mais on va enlever ça parce que c'est pas très beau. On veut plus d'esthétique quand même. Voilà. Surtout que vous allez voir les bretteurs combattre, c'est incroyable. Sachant que Ike, ça fait un moment qu'il est au niveau 20. C'est que lui, même en évoluant, là il peut pas évoluer, là il est à son maximum parce qu'en fait. C'est à partir du chapitre 20, oui, voilà, que bah, il change de classe, voilà. On va prendre... Purée, je galère à prendre Merce mort de sel. Fulguration. Trop fort. Lui, là, lui c'est un mage. Un lagus mage. Ah, ça sent énorme. Non, je vais plutôt le laisser là. On va économiser. Ça sert un peu à rien puisque de toute façon je vais changer de niveau juste après. Et voilà, après on détermine la fin, voilà. Fin de notre tour. Bon, bien sûr, elle est déjà évoluée donc et tout, donc elle est bien plus forte que l'archer. Elle est déjà une classe de plus quoi. Ah, qui se débrouille très bien aussi en rôdeur quand même, vous allez voir. Quoique là, c'était moyen là. Oula, épée venin, ça c'est pas bon. Merde. Même si ça m'a fait sans effet, puisque j'ai une très bonne défense par rapport à la puissance de l'épée. À côté de ça, je perds de la vie, voilà. Par tour. Bon, même si là, je perds qu'un PV. Donc, et il y a marqué au-dessus 4. Ça veut dire qu'il reste encore 4 tours, comme ça, il est encore pendant 4 tours, il est empoisonné. Voilà, il va perdre 4 PV quoi. On va prendre. Ah, et aussi, voilà, je vais dire exactement comment sont formés bah, les. Bon. Qui a l'avantage? Quelle arme a l'avantage? Donc, alors, l'épée, ça a l'avantage contre les haches. Par contre, l'épée, ça n'a pas l'avantage contre les lances. Mais les haches ont l'avantage contre les lances. Voilà, tout est une question d'ordre, tout est une question de... Bah oui, d'ordre. Et de techné, bien sûr. Donc j'ai utilisé le lance-fer. Épieux, c'est une arme quand même... assez technique. Voilà, faut lance-B, faut être lance-B alors qu'elle n'est que lance-C. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal évolué juste en gestion. Gestion expérience. Parce que de base, quand même, en niveau 1 à le bardier, si on fait pas gestion expérience, elle est forcément niveau A. En lance. Ou B au pire. Voilà, je suis qu'au niveau C, c'est-à-dire que j'ai pas mal fait gestion. Gestion expérience. Ce qui n'est pas si tip-top que ça, parce que après, elle peut être un peu à la traîne à ce niveau-là, voilà. De pas utiliser des armes très puissantes. Voilà. Parce que la lance-fer, c'est vraiment les premières armes du jeu, c'est un peu de la merde, quoi. Et le javelot, c'est encore moins puissant, mais grâce au javelot, on peut attaquer les ennemis de loin sans qu'ils nous touchent, ouais. Sauf les archers, bien sûr, ils attaquent de loin. Et les pieux, c'est très puissant. Et ça a une meilleure précision que le javelot, quoi. Donc, mais en même temps, voilà, faut avoir un meilleur niveau de... d'armes. Je vous ai pas parlé aussi de la probabilité des critiques, car là on voit un espèce de tableau de récapitulatif de tous nos caractéristiques qui sont fusionnées avec les caractéristiques de notre cher ennemi.
Par exemple, je sais pas, l'histoire de l'attaque, on fait attaque moins défense de l'ennemi. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. J'ai du mal à expliquer, mais c'est très dur à faire un vidéo test sur jeu quand même. J'en suis désolé, mais voilà. C'est un peu compliqué. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis à critique 21. Donc j'ai 21% de chance que ça marche. La plupart du temps, quand je suis à 21, quand même, ça marche. Je lui dis tout de suite, donc je suis pas sûr que ça soit 21%. Je sais pas trop. Sinon, la précision 100%, donc je touche. Forcément, lui, il me touche pas à 21. Ou alors, vraiment, s'il a de la chance, 21% de précision, en général, il me touche pas. Voilà, on va voir peut-être un coup critique. Non, même pas. Donc voilà, il me touche pas. Et il lui reste un PV, c'est magnifique. Il a beaucoup de chance. Voilà, on peut. Je pense que j'ai à peu près. J'ai vraiment dit pas mal de choses. J'aurais pas beaucoup à rajouter dans Fire Emblem Radiance Dawn sur Wii. Sinon, ce qui est bien, c'est que j'ai très bien aimé l'ambiance de Fire Emblem, très médiévale, mais à la fois manga. Je sais pas, j'aime bien, et puis l'histoire est pas mal. Voilà. Les personnages ont tous leur propre. Ils sont tous à peu près leur propre charisme, ils sont leur propre comportement. Même si, bon, y en a d'autres, on voit qu'ils sont moins bien travaillés que d'autres. Comme là, les mercenaires de Grey, c'est ceux qui sont le plus travaillés. Hein. Grey, c'est ce qui est normal. C'est les personnages principaux, mais au fil de l'aventure, on pourra rencontrer d'autres personnages. Et si on les aide, eh ben, ils seront nos alliés plus tard. Ils seront nos alliés pour plus tard. Ils seront donc avec nous, on pourra les diriger nous-mêmes. Par exemple, Kieran, je l'avais libéré dans la mission d'avant, là, chapitre 10, qu'on avait fait avant, hein, vite fait. Et Kieran, lui, il peut. Et Kieran, lui, bah, il sait. De base, si on l'aide pas, et ben on ne l'aura pas, quoi. Mais bon, il est pas terrible, hein. C'est un cavalier, mais il est moyen. Les cavaliers, c'est souvent moyen. Aussi, comme vous pouvez le voir, l'épée acier en vert, et ben c'est une épée. Comment expliquer, c'est. J'avance pas, c'est ça le problème. J'explique et tout, mais j'avance pas. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va être chiant pour vous. C'est le problème des RPG, hein, que voulez-vous. Surtout des RPG stratégiques. C'est un peu plus corsé à expliquer. Bon, alors, on va faire le dernier niveau pour le fun. Hein. Un petit niveau qu'on déverrouille après l'épilogue, en finissant le jeu. Donc ça va pas du tout vous spoiler. C'est un petit niveau qu'on déverrouille à la fin. C'est dans extra, si je trouve le mode extra, si j'y arrive. On peut aller dans les galeries. Les galeries, en fait, c'est juste les personnages. Voilà, des petites artworks, des personnages, différents persos. Sinon, j'allais dire un truc, oui, les épées d'acier en verre. Ça voulait dire que je l'ai forgé. C'est une épée que j'ai moi-même fabriquée, voilà. Que j'ai moi-même donné ses caractéristiques. Sachant que bah, plus on augmente ses caractéristiques, plus c'est cher. Et plus le coût est cher. Et bien sûr, bah, je le fais pas souvent parce que c'est bien cher de forger une arme. Voilà, c'est très très technique. Bon, je vais faire la carte bonus. Ah, quoique, je vais vous montrer une petite cinématique parce qu'elles sont franchement bien faites. Par exemple, voilà le début, mémoire. Là où ça montre Ike qui s'entraîne avec son père, Grey. Pour que Ike devienne un fier mercenaire. Même si la plupart du temps, les mercenaires, ils n'ont pas un bon regard envers les villageois, je pense, souvent. C'est surtout pour le pognon, hein, qui font des missions, les mercenaires. C'est surtout ça, hein, faut le dire. Voilà, l'animation en elle-même n'est pas tip top. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est les cinématiques sont très très belles. Hein, et ça fait très mangatisé et c'est beau. Voilà. Tu te dis là, non, c'est pas possible, le jeu il est pas comme ça. Et voilà, et là,
il s'est fait assommer par son père et là il va se souvenir du tout début là quand il était avec sa mère. Bien sûr, sa mère est morte. Oui, c'est triste. Enfin, son père qui va mourir plus tard, donc il va devenir orphelin. Mais c'est jamais gay, hein, ce genre de truc. Hein. Quand ça se passe, quand c'est un truc un peu japonais mais qui se passe dans un monde médiéval, c'est souvent pas terrible. Et puis là, c'est surtout qu'il se rappelle de sa mère, surtout parce qu'en fait, il y a sa sœur qui chante la même mélodie que chantait sa mère. Ah, des petits trucs comme ça. C'est... Bon, après, faut un peu plus comprendre l'histoire. Là, c'est vraiment le début encore. Ce qui est bien, c'est que Fire Emblem Radiance Dawn suit très bien l'histoire. 3 ans après, on s'y croirait vraiment. C'est vraiment la suite, directe. 3 ans après, où il y a une nouvelle guerre contre ça, c'est pas complètement contre Dain, c'est assez différent. Même si c'est en vérité, vu que Crimea gagne contre Dain à la fin, bah après, c'est Crimea qui a le contrôle de Dain. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans Fire Emblem Radiance Dawn, on dirige des personnages venant de Dain, c'est ça qui est assez marrant. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on dirige aussi un personnage qui est complètement insignifiant dans ce premier Fire Emblem. C'est Sot, un voleur, mais la plupart du temps, moi je l'utilisais jamais, parce qu'on pouvait même pas changer de classe. Donc voilà, c'était vraiment pas terrible, quoi. Il pouvait même pas devenir un assassin, quoi. Parce que voleur devient assassin. Et c'est dommage, quoi, c'est... Parce que pourtant il a des bons caractéristiques pour être un voleur. Mais voilà, c'est juste un voleur, et un voleur ça sert un peu à rien niveau combat. Même si c'est bien pour les coffres, pour récupérer des nouveaux objets et tout. Mais voilà, sinon ça sert un peu à rien. Donc c'est pour ça que Sot, je pense que la plupart des joueurs ne l'ont pas utilisé. Et c'est un peu un personnage en second plan, c'est un peu un personnage inutile. Mais qui quand même refait surface dans Fire Emblem Radiance Dawn. Enfin, c'est incroyable, on s'y attendait pas du tout que ce personnage-ci. Vous voyez, c'est vraiment, il y a des personnages, franchement, ils ont tellement peu de dialogue dans ce Fire Emblem-là, c'est que tu te dis, il y a sûrement une suite avec eux, quoi. Mais bon, Sot, moi je m'y attendais pas du tout que ça soit lui, quoi. Qu'on dirige carrément Sot, il devient presque le héros, quoi, de Radiance Dawn. Même si ça reste Ike, il devient aussi important que Ike. C'est lui carrément qu'on dirige au tout début. Enfin, pas complètement au tout début, mais à la 3e mission, je crois. Et franchement, on s'y attend pas du tout. Alors que là, on voit encore une magnifique cinématique quand Gray se fait perforer par le grand chevalier noir. Voilà. Bon, c'est beaucoup de tragédies, hein. C'est souvent mélancolique, hein. C'est Fire Emblem, quoi. C'est pendant la guerre, c'est... On va dire que, ben, j'ai envie de dire, c'était comme ça à l'époque, quoi. Autant en 1500 et quelques, c'était comme ça. Parce que ça se passe à peu près en 1560, un truc comme ça. Je sais plus exactement. On peut aussi, je crois, bah, connecter avec la GBA déjà, mais bon, ça j'ai jamais fait. J'ai pas le petit connecteur par rapport à la GameCube GBA. Honte à moi! Pourtant, c'est. La GameCube, c'est ma console préférée, bordel. Ok, on va faire les cartes bonus. Enfin, bon, j'ai qu'une carte, mais en vrai, on en a 3. Si on fait les 3 difficultés différentes. Si on finit en 3 difficultés différentes. Facile, moyen, difficile. Sachant que le boss final, je vais dire un petit spoil. Le boss final, le roi de Crimea, comment il s'appelle déjà? De Dain, je veux dire. Oh, ce fail! Le roi de Dain, il a 2 formes différentes à partir du mode moyen, je crois. Ouais, c'est à partir du mode moyen. Et en difficile, il est vraiment hard. Déjà, en mode moyen, il est pas facile. Rien qu'en facile, aussi, c'est pas si simple que ça aussi.
Donc voilà, un bon jeu, franchement, pour ceux qui amateurs de RPG ou de RPG stratégique. Pour la petite info, je l'ai eu en même temps que The Legend of Zelda Wind Waker. Je l'ai eu en 2005, et donc Wind Waker, je l'ai eu 2 ans après sa sortie, quand même. C'est un peu tard, mais voilà. Et c'est... Au départ, j'étais un peu sceptique, en même temps, j'étais un peu jeune. J'avais que 9 ans. À 9 ans, voilà, je jouais plutôt à des jeux d'aventure. D'aventure épique. Star Fox Adventure, Zelda Wind Waker. Voilà. Et donc, quand j'avais commencé ce jeu, j'avais même commencé un peu avant Wind Waker, parce que j'étais assez intrigué. Je me disais, Fire Emblem, je connais pas du tout. Je me disais que... Ouais, de base, que ça allait être un espèce de jeu un peu d'aventure ou d'action. Mais pas du tout, en fait, c'est un espèce de jeu de stratégie, voilà. RPG stratégie. Au début, j'étais très sceptique parce que j'avais jamais fait de RPG. Et finalement, quand j'ai pris du temps, enfin, la première fois, j'avais pas compris aux règles et tout. Ça m'avait un peu. J'avais fait 15 minutes et puis après, j'ai tout de suite. Je suis passé à Wind Waker. Là j'ai fait un coup critique. Mais avec le temps, je crois que c'était pas longtemps après, pourtant, je crois que j'avais 10 ans, un truc comme ça, ouais. J'avais refait le jeu. Et franchement, là par contre, je me suis beaucoup référé au guide, bien sûr. Parce qu'il faut quand même, au début, se référer au guide. Bon, là j'ai Ike avec l'araignée, l'épée ultime! L'épée forgée pour vaincre Alondite. Alondite, c'est l'autre épée de légende. Extrêmement puissante, l'épée la plus puissante du jeu. Qui peut aussi attaquer de loin. Voilà, on peut. C'est une épée surcheatée. Hein. Nazir, c'est un dragon. Vous allez voir. Je peux faire transformer direct parce que je fais n'importe quoi. Ça sert complètement à rien, mais bon. C'est pour le fun. Stéphane, lui qui. Une épée extrêmement puissante, critique très élevée, mais oui, voilà. Je me suis beaucoup référé au guide. Je me coupe des fois. Je me suis beaucoup référé au guide, et voilà quoi. Je dis que je trouve que ça peut aller quand on suit bien le guide. Voilà. Surtout que c'est très bien foutu. Ça nous explique vraiment les bases. Au tout début, jusqu'à ce que ça nous explique, je crois au maximum, les classes, les différentes classes. Bon. Et les soutiens, les renforts. Bon, on sait surtout quand même les bases. Hein. Mais ça t'explique pas non plus ce que je vous ai expliqué là sur les caractéristiques, tout ça. Je pense pas, ou un peu moins, mais en détail. Mais bon, c'est du moment pour savoir jouer, quoi. Et franchement, pour se former là-dessus, on y arrive assez facilement après. C'est juste une question d'adaptation. Surtout quand t'es un joueur qui a fait que des jeux de plateforme avant et des jeux d'aventure, c'est vrai que ça peut faire bizarre au début. Et comme vous avez vu, avant il avait fait une autre attaque, un autre coup critique. Il avait à moitié mis son épée en avant et puis après il a fait un gros coup d'épée vers la droite. En fait, c'était quand il ne tue pas l'ennemi. Alors qu'il fait son espèce de salto, là, c'est quand il tue l'ennemi, en fait. Voilà, tout simplement. Donc ils ont deux coups critiques différents, chaque perso, deux coups critiques différents. Chaque unité. Parce que bon, un bretteur avec un bretteur, c'est pareil. Même si c'est pas le même perso. Après, ils ont peut-être leurs propres caractéristiques, hein. Il y en a un qui est un peu plus fort en vitesse, l'autre qui est un peu plus fort en force. Bon, c'est très très rare. La plupart du temps, c'est à peu près la même chose. Même si il y a beaucoup de tests, et souvent, par exemple dans Fire Emblem sur Wii, la plupart des persos qui sont très pourris au début, à la base, ils deviennent bien plus forts que ceux qui sont très forts à la base. Quand on les évolue au max. Ce qui est assez intéressant à savoir. Je sais pas forcément. Et voilà quoi, aussi les musiques sont pas mal, même si elles sont assez répétitives. Enfin,
on réécoute souvent les mêmes, mais il y en a, c'est vraiment de l'orchestral, c'est bien joué. Voilà. Quand on est dans la carte, là, on a vraiment de bonnes musiques. Ça fait vraiment musique de bataille, c'est... Enfin, je trouve que c'est parfait, quoi. Ça colle vraiment bien à l'ambiance du jeu. Et là, Ike, il est au niveau maximum, donc regardez-moi ses caractéristiques de fou. Bien sûr, on a des caractéristiques encore mieux que ça sur Wii, hein, c'est un truc de fou. Mais voilà, vous le verrez ça dans mon vidéo test sur Wii. Moi, je pense qu'on va bientôt se quitter, hein. J'ai vraiment dit beaucoup de choses, et j'ai pas beaucoup avancé, hélas. J'ai vraiment de la chance avec le coup critique en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Chanceux. Alors qu'il devait avoir que 6% de coup critique, lui. Donc voilà, des fois, que voulez-vous, on est chanceux. Donc voilà, je pense que vous avez compris à peu près les bases. Au moins. Je vous ai à peu près expliqué. Je pense que dans le prochain Fire Emblem, je parlerai un peu moins de... Bah, des bases, de tout ce qui est, tout ce qu'il faut savoir dans Fire Emblem pour plutôt bien jouer. Je parlerai plutôt du classique, quoi, jouabilité. Enfin, même si non, c'est pas trop jouabilité, mais je parlais plutôt de la durée de vie, des graphismes. Enfin, voilà. Alors que là, j'ai surtout parlé de, bah, j'ai surtout expliqué en fait. Contrairement à, par exemple, à un jeu de combat. Je parlerai surtout des graphismes, de la jouabilité, de la durée de vie, puis de l'histoire. Enfin, l'histoire, ouais. Puis après, bah, j'expliquerai peut-être 2-3 trucs comme ça. Mais voilà, là, alors que là, j'ai fait que de l'explication, là, j'en peux plus. C'est compliqué. Bien sûr, par contre, les combats sur GameCube sont très répétitifs. Hein. C'est à chaque fois quand tu vois les archers tirer, à chaque fois c'est la même animation. C'est exactement la même animation, c'est ça le problème. Pareil pour tout en fait. Pour tous les personnages, ils changent d'animation que quand c'est un coup critique. Ils ont que deux animations à chaque coup critique. Deux coups critiques différents. Le coup critique quand tu tues pas l'ennemi, et le coup critique quand il le tue, quoi. Quand tu lui restes presque plus de vie, donc il peut le tuer. Et donc voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Ah, aussi, voilà, quelques magies comme ça où on peut attaquer de très très loin. Le problème de ces magies, c'est que. Ils ont une très faible niveau technique, c'est pas terrible quoi, niveau précision. Ah, voilà, première fois que vous voyez une magnifique attaque. Voilà, là c'est l'une des techniques que je lui ai assimilée. C'est la technique stellaire. Technique pour les bretteurs. Sachant que Ike il a éther. J'espère qu'il va faire le coup de l'éther, parce que j'ai toujours adoré ce coup-là. Ah bah, comme par hasard, mais quelle chance. Et sachant que ce coup de l'éther, et ben en fait, la plupart des techniques sont assez spécifiques parce que solaire et éther, ça permet de regagner de la vie. Le coup stellaire, ça permet de faire 6 coups d'un coup. Ce qui fait vraiment mal. Les 6 coups normaux, donc je sais pas, par exemple, s'il fait 11 de dégâts, là, 19, tu fais 19 x 6, voilà. Ça fait stellaire. Et Boy, lui, lui, c'est pas grand chose. Lui, sa technique secrète, là, je crois que c'est... Bah, je lui ai pas mis. Je lui ai pas inséré sa technique secrète. À la place, j'ai mis bravoure, c'est bien mieux. Bravoure, ça augmente force, technique et vitesse quand les PV sont réduits de moitié, voilà. Donc là, ils sont réduits de moitié. Ou même plus. Ils sont en dessous. Donc, j'ai vitesse plus 12, force plus 15, plus 11 en technique. Ce qui est complètement cheaté, hein. Regardez-moi ça, regardez. Par exemple, contre lui qui a pourtant une défense de fou, je lui fais dommage, moins 39. Donc avec ça, Boy devient le personnage le plus puissant du jeu, presque. Allez, en plus, il fait un magnifique coup critique. En plus, on augmente beaucoup en critique aussi, grâce à la bravoure. Donc c'est vraiment... c'est très important, la bravoure.
Dans la vraie vie aussi, c'est très important. Là, vous voyez, les personnages sont tellement haut level que, à côté de ça, les ennemis sont complètement à la ramasse. Et donc voilà, purée, ça fait déjà une heure de vidéo. C'est magnifique. Je savais pas que j'allais tenir aussi longtemps dans Fire Emblem. Mais bon, voilà, sur ce, je vous dis. Si. Il y a aussi un truc à préciser. Quelque chose de très important. On peut pousser des pierres. La physique est au rendez-vous. Mais on peut pousser des pierres pour les faire tomber ici et toucher cette ligne, voilà. Toucher tous ceux qui sont dans cette ligne. Donc bon, on peut se mettre que là, là, on peut pas aller bien sûr sur le talus, c'est pas possible. Donc voilà, à part si on est si on a un Weaver ou un chevalier Pégase, ou aussi à part les corbeaux ou les aigles, tous les personnages volants, bon, on peut pas aller sur le talus. C'est pas possible. Donc voilà. Sur ce, voilà, c'est un très bon jeu que je vous recommande, hein, si vous êtes fan de jeux RPG, si vous aimez être patient aussi. Faut être patient souvent, parce que quand on fait un niveau, on risque quand même, quand on fait en difficile ou même en facile, on peut que suspendre, sauvegarder. On peut que suspendre pour sauvegarder. Donc on peut pas sauvegarder quand on veut. Donc on n'a pas de checkpoint, et des fois il y a des niveaux où on met au moins 40 ou 50 minutes à le faire. Des fois c'est bien chaud, on réfléchit bien avant d'agir. Pour pas que nos coéquipiers se fassent défoncer, quoi. Pour pas que la plupart de nos personnages se fassent défoncer. Et mais voilà, regardez Rolf, avant c'était une sous-merde, maintenant regardez-moi ça. Une sous-merde peut devenir un dieu. Ce qui est incroyable. On peut vraiment tout faire dans Fire Emblem. Alors que, en vrai, dans un manga, par exemple, une sous-merde reste une sous-merde. Krillin, il est pas très fort. Enfin, bref. C'est. Voilà, sur ce. Voilà, un bon petit jeu. Enfin. Pas non plus petit jeu, pour moi c'est un jeu culte, c'est un jeu énormissime, c'est un jeu qui ne mérite pas d'être aussi peu connu en Europe. Franchement, ils doivent sortir tous les épisodes en Europe à partir de maintenant, puisque ça fait chier, hein. Nintendo là, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont sorti leur Mario. Enfin bref, sur ce je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures, et on se retrouve pour le prochain Fire Emblem Radiance Dome, qui est excellentissime.